Salut, aujourd'hui nouveau docu, cette fois-ci on part à Châtillon-sur-Chalaronne. Donc là on est samedi, il est 10h, on finit de se préparer et c'est parti. Ah, c'est le meilleur marché qu'on ait. Plus sérieusement, on a le cadre qui nous favorise un peu la vente parce qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent nous connaître. C'est l'un des meilleurs marchés qu'on fasse en fait. Là-dessous, il n'y avait que de la volaille. Bon, petit à petit, ça s'est transformé. Il est resté quelques volaillers comme ça. Et puis après, il y a des fruits et des légumes qui se sont installés. Je suis un fou de bêtes qui sortent de l'ordinaire. Des bramas, des cochins, c'est des variétés de volailles qui viennent d'Inde. Ça. C'est les plus grosses volailles du monde. Par rapport à la vieille ville, Châtillon, ça attire beaucoup de monde. Des Allemands, des Hollandais, des Belges. Donc là, nous sommes devant la maison du curé de Châtillon, Saint-Vincent-de-Paul. Cette maison date de 1617. Elle est de la même époque que les halles de Châtillon qui se situent derrière nous. Et c'est dans cette maison que ce curé, à 36 ans, a créé les Dames de Charité, qui était une sorte d'institution pour aider les pauvres dans la région. Alors là maintenant on va aller manger un resto dans la vieille ville, se poser un petit peu, faire quelques images et derrière on retourne visiter la ville de Châtillon. La commune de Châtillon-sur-Chalaronne renferme un patrimoine historique et culturel très riche. Les ducs de Savoie, la principauté de Dombes, ainsi que tous ses monuments historiques comme les Halles, l'Hôtel Dieu ou le Château Fort. Et malheureusement, le château est complètement laissé à l'abandon. Cet édifice historique tombe en ruine à cause d'un manque d'entretien et de rénovation. Claudine Vercellis et son association, le Printemps des Pierres, se bat au quotidien pour sensibiliser les gens à la cause du château. Donc voilà, journée bien remplie avec plein de belles rencontres. J'espère que ça vous plaira. À bientôt. Ciao.